Vas-y. Allez-y, hein, vous voulez intervenir. Quelle est la question? La question de la c'est ennuyeux, on s'ennuie un peu, donc. Ouais, ben je sais pas, non. De quoi vous voulez qu'on parle? Moi j'ai du recrutement à faire, donc voilà, s'il y a des créatifs dans la salle. Je voudrais savoir qui n'a pas de compte Facebook dans cette salle. Voilà, tu peux passer me voir. Hein, si tu veux travailler avec moi, tu es le bienvenu. Je pense que moi ce qui m'inquiète dans ce milieu, c'est le conformisme. Voilà, je trouve qu'on fait un métier, le seul point intéressant de ce métier, c'est de faire quelque chose d'innovant, quelque chose qu'on ne fait pas ailleurs. Donc voilà, tout le monde fait pareil. Là, je pense qu'on devrait dire un mot sur la publicité en Tunisie, qui est quand même assez ennuyeuse. Donc c'est un constat qui n'est pas forcément négatif. Excuse-moi, on est à côté de toi, je veux dire, on n'est pas si loin, si la publicité en Tunisie est ennuyeuse, ça veut dire que moi, je fabrique des choses en ville que tu trouves ennuyeuses. Ouais, mais moi aussi, c'est une autocritique, hein, c'est pas regarde le paysage qu'il y a autour de toi, tu sors, il y a rien. Attends, je finis, en fait, tu pourras te plaindre. Donc regardez ce qu'il y a, s'il y a quelque chose qui t'intéresse ici, c'est vraiment, tu vois à l'intérieur des idées, il n'y a pas d'idées, c'est assez ennuyeux ce qui se passe ici, mais c'est pas forcément négatif, je trouve que c'est justement un point positif, ça permet au créatif de pouvoir sortir quelque chose, celui qui va sortir quelque chose d'intéressant, il va être vu. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif, on est dans un univers qui est assez ennuyeux, voilà. C'est globalement... On arrive à sortir, nous, quand on est en consultation ou quand on est en pitch, on sort quand même de belles choses. Je pense que ça revient à la médiocrité, ce qu'il est en train de dire. Malheureusement, c'est... Non, mais je crois qu'on se contente assez facilement de ce qu'on fait. Je crois que... C'est un problème de médiocrité. Il y a une médiocrité en santé. C'est que justement, tu reviens au problème du business. Alors, t'es venu en Tunisie, pourquoi faire? Pour faire avancer les choses ou pour faire de la médiocrité? Ou pour justement t'ennuyer? Parce que sinon, t'as rien à faire dans ce pays, tu vas travailler ailleurs. Bah, je comprends pas. Et là, on va critiquer tout. Alors, explique-toi, parce que tout le monde a compris ce que moi, je comprends. Non, mais parce que tu prends. Attendez, bon, qui en pose avec lui ou qui va chez lui, cela, on vous invite pas, mais c'est vous, ça va, on sait que tout le monde s'en parle. Par contre, t'es venu pourquoi en Tunisie? Parce que ça devient intéressant. Il faut une rédaction parce que sinon ça marche pas. C'est quoi pourquoi les clients sont basés sur le site depuis le début? En fait, on n'est pas aux États-Unis, on a un marché, on a des consommateurs, on a des contrats, des clients. Pourquoi les clients sont basés sur le site? On essaie de trouver des solutions, on essaie de poser des questions à monsieur. Personne ne répond, personne. C'est ça, il a pris contre lui, donc je suis désolé si tu es susceptible à ce point-là, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment est-ce que dans cet univers-là, où on est contraint par des contraintes de temps, on a des contraintes de clients, où c'est difficile de sortir des idées, je suis sûr que dans tes cartons, tu as des merveilleuses idées, par contre tes idées, elles sont pas cachées par les clients. Tu les as pas sorties. D'accord? Je ne dis pas. Attends, je finis. Et après, les climats sales. Donc au résultat, voilà, tu es parti d'une bonne idée et finalement ce que tu affiches et ce qu'il y a autour de toi, les spots que tu fais, ils deviennent merdiques. Voilà, je ne suis pas en train de te dire que tu fais de la merde, tu es un nul. Tu es juste susceptible, c'est tout. Et ça, c'est pas grave. Mais ça, c'est pas grave en fait, le caractère des gens. Mais ça, c'est une opportunité pour tous les créatifs et pour tous les publicitaires. C'est une immense opportunité. Aujourd'hui, vous avez vu, ils ont collé une mini sur un tableau. Ça y est, sur la route de la Marsan, on voit plus que ça. C'est-à-dire que la moindre petite idée, la moindre petite touche d'originalité aujourd'hui a une grande efficacité. Justement à cause de ce paysage publicitaire qui est très ennuyeux. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est une opportunité. J'ai deux questions. Je voudrais un peu retourner à un autre sujet, étagère. Parce que. Voilà, samedi, le dernier samedi à 9h du matin, juste pour
voir assister à des collègues de bien bonne fonction. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. En plus, un peu de motion, je vois la place de quasiment plus de différence entre une Citroën, une Peugeot, voire même une Volkswagen. Donc, qui fait vraiment la différence aujourd'hui, parce que c'est un marché, c'est la demande qui conditionne cette typologie de produits, je veux dire. Justement, toutes les marques en avant vont dans une seule et même direction. Les stratégies que nous, on essaie de mettre en place, ou moi, qu'on essaie de se dire, à chaque fois, on essaie de les différencier petit à petit. Donc, nous sommes vraiment capillés. Nous, quand on travaille sur une strat, on travaille sur. Alors, on a 25 contraintes. Il va falloir trouver un élément qui va essayer de minimiser ces contraintes. Et c'est là où l'initiative doit intervenir pour trouver une bonne idée ou une très bonne idée. Généralement, on a des idées qui font le boulot. Qui font le boulot, parce que justement, il y a un consensus derrière. Le client est à l'aise, l'action est à l'aise, le consommateur n'aura pas trop de difficultés, il a dû décrypter parce que faut pas oublier que quand on est sur un processus créatif, si on veut participer à Cannes, les idées qu'on propose ne sont pas toujours décryptées de la bonne façon par le grand public et généralement ce qu'on revient toujours dans cette éternelle problème, la problématique business et également les chefs de produits qu'on a en face. Est-ce que le produit est vraiment intéressant? Il y a des marques qui sont intéressantes par nature. Volkswagen n'est qu'une, Nike n'en est qu'une, parce que la Volkswagen, c'est des marques qui, historiquement, elles ont toujours pesé. Moi, je pense pas, je pense qu'on a. Enfin, disons que je fais partie des créatifs qui ont toujours pensé qu'il fallait avoir plus d'informations, pas assez d'informations. Donc, j'ai l'impression que plus on en a, plus ça permet de balayer ce qui est possible, de voir ce qu'on peut faire, de voir ce qui a déjà été fait, et de pousser peut-être dans une direction ou une autre. Donc, moi, je trouve que sur Internet, c'est quand même quelque chose de très bien. Ça a surtout permis, justement, de voir beaucoup plus rapidement ce qui était compté ou pas. À l'époque, avant Internet, on avait Archive, on avait les archives de Burser, donc c'était du papier. Et on a tous eu des exemples de Burser qui traînaient dans un bureau et on voyait les campagnes, qui sont des campagnes qui étaient sorties. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, donc on passe moins entre les mains du filet. Il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'est que cette discussion créative, brief, etc., moi je trouve assez intéressant, surtout dans des pays comme la Tunisie, de faire intervenir les créatifs plus tôt dans le processus et dans la création du brief. Tu as tout à fait levé un point qui est intéressant. Si ta seule source d'inspiration, c'est Internet et c'est la pub par rapport à ton brief, effectivement, c'est là que tu perds beaucoup. Mais par contre, c'est vrai, comme a dit Jean-François, ça fait partie de ton information. Et plus tu as d'information, plus tu vas pouvoir faire du neuf. Voilà. Donc, mais il ne faut pas se contenter de regarder ce qui a été fait en pub. Je pense que l'inspiration, elle est dans toute la vie, elle est autour de toi, elle est chez toi, elle est dans la rue, elle est ailleurs. Ça ne se passe pas uniquement dans la pub. Mais peut-être qu'on s'enrichirait effectivement à couper Internet et à essayer de rêver un peu et de se mettre à l'écart et partir plutôt essayer de pousser notre cerveau à diverger un petit peu. Donc ça, je trouve ça intéressant. C'est vrai qu'Internet nous ramène toujours au ras des paresses. La valeur de l'insight. La valeur de l'insight. Si l'insight, il est bon, il est local, donc tu le prends et tu pratiques quelque chose de local. Donc c'est purement tunisien, ça ne pourra jamais être français, ça ne pourra jamais être espagnol. La force de l'insight. Si, parce que ton idée viendra de là. Si par exemple, je dois travailler sur une particularité tunisienne qui est tout à l'unicité, la cigarette, je l'achète à l'unité, je peux tout à l'unité, je pars de cette insight-là et je vais amener des idées. Ça ne marchera pas d'une salle locale. Et là, c'est là où c'est complètement très difficile de pouvoir y arriver à la fin de la culture. Par exemple, si je dis Artalas Yohana, tu vas l'expliquer à la langue? C'est impossible, tu vois. Tu vas prendre du temps à lui expliquer toute une phrase et tout ça. Hey, pour les festivals. Ça tombe très bien, hier soir, avec la clôture locale. On avait une problématique de signature. En arabe, ça fonctionnait super bien. La traduire en anglais, ça a été. On a ramé pendant 4 heures de temps pour essayer de trouver la signature. Tu n'as pas la même démarche. Quand tu veux t'attaquer à l'international et à l'universel, tu amènes tes créatifs vers d'autres pensées et d'autres ouvertures d'esprit. Après, il y a des insights qui marchent dans les festivals internationaux. Ce sont des insights qui marchent partout. Voilà. Et des concepts qui marchent partout, qui peuvent être adaptés ici. Donc il y a effectivement deux sortes de choses, mais bon, l'insight est effectivement important pour... c'est ce qui donne l'idée, quoi, c'est ce qui déclenche l'idée. C'est vrai que c'est un moteur, on n'y pense pas forcément, on ne travaille pas forcément sur les insights, et c'est ce qui nous manque. On
c'est bon. Et puis après, nous, en Tunisie, c'est là où on a un peu de mal pour essayer de primer, je suis passé du temps, pour essayer de réussir à primer l'autre. En Tunisie, ce qu'il y a, c'est que malheureusement, bah, déjà, on a un peu une monnaie qui est un peu faible. Après, on n'a pas les moyens d'exécution. Donc, c'est vrai que consulter Joe pour certaines choses, pour exécuter des idées qui doivent coûter 3, 4 000, 5 000 dinars pour l'exécution et tout avant de l'inscrire, ça aiderait. Mais je pense que c'est toute l'industrie qui doit se mettre dans cette dynamique de vouloir essayer de la purifier un maximum, qu'il ne soit pas tout seul à le faire, qu'il y ait nous, les directeurs de création de ce pays ou d'autres pays, qui soient aussi impliqués. Mais bon, après, il y a l'ego, le gain, il y a tellement de choses qui rentrent, la carrière derrière et tout, que tout le monde n'arrivera pas à unifier tout le monde. Mais au moins, essayer de créer un mouvement. En fait, juste une seconde. Par rapport à ce qu'on dit sur les prix, une petite anecdote, en 2009, j'étais juré aux Eurobest, et pour montrer comment ça se passe à l'intérieur d'un jury, j'étais un jury traditionnel, donc presse affichage cinéma, on a eu un doute sur une campagne, quelqu'un avait levé un doute sur une campagne, et on a stoppé la session pendant 30 minutes, le temps de faire une recherche internet et d'essayer de voir si la campagne avait déjà été faite. Tout ça pour dire que ça se fait déjà, mais ça se fait de façon très amateur. C'est vraiment uniquement si quelqu'un pense avoir trouvé quelque chose qui ressemblait à. Mais en tout cas, les jurys acceptent de s'arrêter à un moment donné pour juger ça. C'est pour ça que d'arriver d'un jeu à la pompe avec une connaissance plutôt encyclopédique peut permettre d'aller plus vite dans ce genre de jugement. Voilà. Oui, mais quand même, notamment, il y a des campagnes qui sont copiées-collées. Est-ce que tu parles de démocratie? Non, bien sûr, mais il y a une chose. Tous ces concours internationaux, ils sont obligés d'une année sur l'autre d'avoir de nouveaux jurys. Et les nouveaux jurys, il n'y en a pas 50 000 dans le monde. C'est-à-dire qu'une fois que tu as épuisé les directeurs de création, les exécutifs creative directors et les associés de creative directors, tu fais parfois appel à des profs de fac, de Pologne par exemple, qui va être juré à Cannes. Ces gens-là n'ont pas forcément une connaissance publicitaire aussi pointue qu'un directeur de création. Ou peut-être meilleur, ou moins bon, mais en tout cas, il y a une grande disparité dans les jurys. Donc il arrive, effectivement, d'une année sur l'autre, on ne prime pas une campagne et on en juge une autre. La Serrière, par exemple, pour Adam Schulhoff, on avait fait chez Sachi, je dis bon, c'est pas moi comme créatif, mais qui avait gagné un lot d'argent en 2002, elle n'avait même pas été shortlistée en 2001, la même idée, une salière avec un capuchon bouché, qui ne permettait pas de faire passer le sel. C'était l'un qui l'avait présenté, c'était une petite marque. Donc qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve un bar, effectivement, qu'il n'y a pas beaucoup de mémoire publicitaire. Ça prouve aussi qu'il y a un pouvoir aux marques. Entre une marque locale indienne et Adam Schulhoff, il n'y a pas photo. On choisit plutôt l'antipéniculaire de Procter qui est présent partout dans le monde. Donc il y a plein de dimensions comme ça qui jouent. Voilà. Donc par rapport justement à Cannes et Dubaïx, genre que je vais intervenir, on a une représentante justement officielle donc, en Tunisie de ces deux festivals-là, et aussi des Eurobest. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens ne savent pas, mais en fait, en tant que représentant, on a toutes les listes de toutes les inscriptions, et on a la possibilité de dire que c'est un ghost ou pas. Alors dis-moi un truc, ouais, si tu as cette possibilité-là, comment tu laisses passer ta bureaucrate? Alors, de Guy Villabel. Comment tu laisses passer? C'est le même plan, le même discours, la même méthodologie, tout pareil. Il n'y a personne qui dit, on applaudit, on dit bravo la belle, super. Moi j'ai opéré mon train pour avancer la musique pour ça. Alors, il y a une question relative au lobbying, mais au niveau des. Personne n'a fait auparavant, et c'est très bien, ça fait dans ce pays, on existe dans la carte grâce à eux, d'accord? On y gagne, je ne sais pas, une trentaine ou une quarantaine de prix, je trouve ça formidable. Ok. Maintenant, ça n'empêche que, tu vois, il y a eu des choses qui n'ont pas été filtrées. Et ça, moi, je reviens ici parce qu'on n'a pas besoin de ça. Déjà, je t'explique, on est des Arabes dans le monde, on n'est pas aimés. Si en plus de ça, tu ramènes des polémiques, et ainsi de suite, et tout, sérieux, je prépare un image propre. Mais moi, je parle pas d'Asmig, parce que je suis né en France et j'ai vécu, longtemps. Monsieur. Comment? Certes, moi j'ai pas de problème. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que c'est là où je rejoins tout, c'est que tu peux avoir la même idée, certes, mais ça, la même exécution, la même DA, sérieux, c'est pas possible. C'est pas la même exécution, c'est pas la même DA, c'est un travail de circonstance. Attends, on met les deux films, Vincent, je réponds, je mets à gauche, Vincent, on passe en France, sympa, je vais faire de l'autre en France. Est-ce que monsieur peut avancer un petit peu parce que vous êtes dans le noir, comme ça un peu. Visiblement, ils sont pas filmés de la même façon déjà. J'en ai parlé avec lui. Quand on a vu les deux films, il m'a dit si j'avais su, je l'aurais jamais réalisé. Tu es en train de me dire que non, t'as pas fait la même chose.
Et cette campagne, elle est sortie six mois avant. C'est pas 5 ans, 10 ans, c'est 6 mois avant. Maintenant, je dis pas que, bien sûr, comme tout athlète, par exemple, si demain tu t'amuses à vouloir devenir le meilleur footballeur du monde, tu vas refaire les dribbles de Ronaldo, tu vas refaire les dribbles de Mbappé, et là, à ce moment-là, tu vas prendre de la maturité, de la confiance, tu vas affiner ton geste, et ainsi de suite. Après, tu es tenu, mais c'est plus que interdit de continuer à faire ça, tu es tenu d'apporter ta patte. Ben, c'est clair. Formuler cet insight, juste pour formuler, un créatif va interpréter cet insight-là créativement, il va le développer, il va l'exprimer différemment. Donc, tout est question d'interprétation. Donc, on peut avoir deux personnes qui interprètent la même chose, mais le point de départ, il est quasi identique. C'est-à-dire que c'est une question d'interprétation. Après, si on a deux. Et si tu es obligé de t'auto-plagier, c'est parce que ces produits sont les mêmes, mais c'est qu'on ne peut pas toujours présenter au client une idée. On ne peut pas lui dire que cette idée fonctionne toujours, parce qu'on l'a fait il y a 3 ans. Alors que concrètement, cette idée fonctionne toujours. Donc, chaque semaine, il va falloir que tu viennes avec une nouvelle affiche, un nouveau sport radio pour toujours parler de ta promo, de les limiter le soir. Parce qu'il y a une problème de business, il faut que tu perçois ton salaire à la fin du mois. Après, attention à ne pas donner trop d'importance à mon site, dans le sens où c'est pas mon site n'est pas une condamnation juridique, n'est pas une condamnation morale, le fait de figurer sur mon site. Enfin, moi, je fais que pointer, faire un état des lieux, faire un constat, constater quelque chose, et puis en espérant que ça aide les créatifs en général à être conscients de ce problème, et puis à améliorer les choses, en fait. Hein. Il n'y a pas de... attention à ne pas trop s'énerver sur le truc, en se disant, le gars, il est en train d'essayer de flinguer les trucs ou les gens. Je trouve ça intéressant dans le fait que aussi sur mon site on voit que j'en ai pas après un pays, j'en ai pas après une agence ou une personne en particulier. Ça pour moi c'était très important à montrer parce que au début quand j'ai commencé, j'ai mis que des trucs français, j'étais en France et tout, donc c'est pour ça que je porte la cagoule, c'est pour ça que les gens se sont énervés, parce qu'ils se sont dit le gars c'est un gars qui cherche à nuire, à flinguer, voilà, mais ma démarche, il faut plus la regarder aussi comme une aide, comme une façon de comparer. Des manières de faire des idées identiques, voilà, elle est intéressante aussi pour ça. Le côté polémique, quoi, la gratter, c'était un truc pour le faire connaître, pour en faire parler, ça permet de faire le débat là-dessus, parce que sinon, il n'y aura même pas de débat, en fait. Juste pour rajouter un petit truc à ce que disait Reza, tu sais, je pense qu'aussi, c'est une problématique des créatifs. J'ai rien contre les gens qui viennent d'étranger, je ne suis pas raciste, j'en ai rien à foutre. Ça, vraiment, j'ai vécu 34 ans en France, c'est pas ça qui me dérangeait. Et je suis dans la gare, je suis autant français que toi. Donc voilà, mais je reste suffisant aussi parce que j'ai une nationalité, là-dessus je peux jouer. Certes. Non, mais attends, Fabien, vas-y, juste au point, je finis, je te laisse parler. Ben vas-y. Montre-nous. Montre-nous, ça, je vais. Toi, quand tu dis, personne ne te dit pourquoi tu as dit de l'utile si tu ne veux pas faire mieux. Moi, je cherche toujours à faire mieux. Oui, je l'ai pas dit. On a le droit aussi de comprendre sur la réalité de la vie. On va juste recommencer. Nous avons, et je vais le dire nous, parce que je vais bien dire nous, Jidabuti, avons gagné tous les ans des prix dans le festival international, peut-être pas en Cabaye, parce qu'il y a eu un tsunami et donc on est passé un peu inaperçu, mais tous les ans masquerés. Tous les ans, juste à l'heure d'avant masquerés. Et avec des campagnes qui sont sorties, toutes sorties. Donc là, je dis, voilà. Et je pense à le sujet, c'est pas ça ta question. Parce que j'explique, et laisse-moi finir, s'il te plaît. Je n'ai rien contre les gens qui viennent de l'étranger. Moi-même, je suis venu, je suis une petite rapporteur en Tunisie, en tant que Tunisien, on ramène ici pour essayer de faire quelque chose. Bon, ce que je dis, une seule chose, c'est quand tu viens dans un pays, d'accord, c'est pour essayer d'apporter des choses, d'apporter des nouveautés en termes de technique, en termes de plein de choses, d'accord. Je ne suis pas en train de... Excuse-moi, cette manière de réfléchir, c'est comme si tu viens de l'étranger, c'est que tu as un acquis beaucoup plus, si tu vas le ramener en Tunisie... Là, je n'ai pas besoin de le faire, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai déjà une carrière internationale tout d'abord, je réponds ici présent, que c'est très bien, j'ai pas besoin de faire des preuves, les preuves sont déjà faites, c'est ça que tu ne comprends pas. Je vais vous expliquer un truc.
Je cherche à partager une expérience. Quand je suis venu en Tunisie, c'est pour apporter un savoir-faire. Je n'ai pas voulu apprécier mon savoir-faire. Je cherche à apporter un savoir-faire et le partager. Et Dieu sait que les gens comme moi, qui m'ont côtoyé, qui peuvent avoir le sein. Par contre, tous ceux qui ne me connaissent pas, le comprendre te permet de me juger, ils ne connaissent pas. Tu vois, voilà. Un des seuls trucs que j'ai à dire, c'est que je réagis par rapport à des mots, parce que des mots sont en français, tu es une valeur. Tu comprends? Quand tu dis je ne donnerai rien à des mots, ben, là, tu portes un jugement sur les gens de ce métier. Tu comprends? C'est la dernière question. Non, on ne va pas continuer. Je voudrais avoir un avis sur votre avis sur le niveau de la publicité ici en Tunisie en tant que directeur. Écoute, il y a un jugement sur la publicité tunisienne, tu ne peux pas, c'est interdit, tu n'as pas le droit, on a 10 ans, comme disait quelqu'un, essayer de les faire la ligne. Il faut comprendre que la pub en Tunisie a à peine 10 ans. Tu ne peux pas, t'as pas l'expérience et la maturité pour dire que tu peux te côtoyer aux autres. Maintenant, est-ce que l'évolution, elle est exponentielle ou pas? L'évolution, elle n'est pas si exponentielle que ça, elle est quand même, des locomotives qui sont les Tunisianas, les Tunisie Télécom, les Orange, les grosses marques, les Lila, les Vitalé et tout ça, qui essayent de faire des choses. Les mecs, ils essayent d'apporter de nouveaux trucs. Maintenant, c'est pas qu'un problème de créatif, c'est aussi un problème de marché. Tu as un petit marché, où tu es dans un pays avec 50% conservatistes. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est d'accord, mais la ligne émotionnelle, il a base sur deux choses. C'est une ligne centrale, d'un côté, t'as 50% de la population qui est conservateur, et l'autre qui est 50% progressiste. C'est toute la société qui a plus qu'ils offrent à ce niveau-là. Donc tu peux pas encore avancer pour le moment pour pouvoir te dire je vais te payer aux autres. Pour essayer de répondre également à ta question, c'est qu'on progresse, bien, il y a de la reconnaissance qui se fait d'un point de vue créatif, la belle l'a trouvée. Et pas que les jeunes produits, il y a un savoir-faire qui commence à être trouvé également sur les productions et les grandes marques à l'international qui aujourd'hui nous confient des preuves locales. Ah non, je parle sérieusement, Programme Gimbal a commencé à faire de la production locale, et ça c'est des vrais indicateurs. Pour le reste, ça va être purement subjectif. Et tu n'auras pas la réponse aujourd'hui parce qu'on n'a que des créatifs et on ne va pas quand même casser notre propre trappe. Bah, je crois que tu peux répondre à ta question en fait. C'est qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça te divertit? Est-ce que ça t'amuse? Est-ce que... Voilà. Donc, c'est à chacun de faire sa propre opinion. C'est tout. C'est, voilà. Moi personnellement, j'ai déjà dit, ça m'ennuie. Voilà, la pub m'ennuie. Donc voilà, chacun peut faire ce qu'il veut, ce qu'il peut avec les contraintes et du client et du temps et de la motivation et mille freins que tu peux retrouver. Mais si tu veux un constat, le constat c'est 80% ou 90% plus à chier. Il faut avoir le courage de le dire. Donc moi en tant que directeur de création j'en fais également, donc je suis également responsable, tu vois, c'est pas, je ne dégage pas de ça, mais globalement voilà, c'est un grand niveau. On termine avec Mola. Non, je voulais juste une petite question, donc voilà ma autre agence publique. En fait, elle est comme tu dis, je voulais savoir quelle en avait décidé, qui valide les idées. Elle était pour l'exemple, bien sûr. Je parle à peu près 16 comment on peut valider et voir en revanche une culture tunisienne. On est d'accord, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. On a fait une campagne de mini-fini. Je parle d'un process, je parle pas de. C'est juste une question à soulever. C'est un débat à l'avenir. Dans le habitat, comment les étrangers. D'accord, c'est une question qui est directement destinée à aujourd'hui. Non, 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 non,
disons je suis complexe. Je sais ce que tu veux dire. À partir du moment où tu t'intéresses à un pays où tu vis, donc tu te poses les bonnes questions et tu as les réponses. C'est-à-dire que quand tu connais ta culture, bah, la meilleure période, c'est d'aller la voir. Mais la technique, c'est pour la salle de la cible, moi, le trajet. Et il faut se déplacer, c'est là où il faut se déplacer. Et je dis, il faut se déplacer. Je vais pas parler de moi, il faut se déplacer en Chine. Je pense que c'est tout ça. Et puis merci à vous de votre présence. J'espère qu'on fera.